Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo training. Là, je viens de rentrer du boulot et je voulais m'entraîner directement. Mais j'ai dit, attends, pourquoi pas le filmer directement? Parce que aussi, j'allais m'entraîner dans ma chambre. Je n'allais pas m'entraîner en extérieur aujourd'hui. J'allais m'entraîner dans ma chambre. Et je me dis aussi comme ça, ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'entraîner dans sa chambre, qu'on ne peut pas se muscler dans sa chambre, qu'on ne peut pas avoir des résultats en s'entraînant chez soi. Voici un exemple tout simple. Je rentre du boulot, je m'entraîne dans ma chambre. Sans aucun matos, rien du tout. Parce que je sais qu'il y a toujours certains qui n'y croient pas, qui pensent que ce n'est pas possible, qu'on a toujours besoin de matos, matos, matos. Mais non. Mais je ne fais pas ça énormément parce que c'est fatigant. Voilà, c'est vraiment fatigant. Je rentre au boulot, te filmer, faire le montage, c'est vraiment fatigant. C'est pour ça que je ne fais pas ça énormément. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire et si ça vous a plu, je vais le faire de plus en plus souvent, même si ça c'est fatigant. Bref, donc aujourd'hui, on va s'attaquer aux pecs, aux épaules et aux triceps. Et pour ces trois groupes musculaires, je vous ai préparé trois exercices. Un premier exercice qui va travailler l'ensemble des muscles concernés, pecs, épaules, triceps. Le deuxième, la même chose, pecs, épaules, triceps. Maintenant, le dernier exercice, ce sera un exercice pour plus solliciter les triceps. Premier exercice, on aura des pompes basiques. En deuxième exercice, on aura des pompes inclinées. Et en troisième exercice, on aura des triceps, des dips sur banc, bien sur une chaise. Voilà, dips sur banc, sur une chaise. Voilà, c'est tout. Et la technique d'entraînement aujourd'hui, ça sera du EMOM. Je vous avais dit que ces temps-ci, je fais beaucoup d'entraînement EMOM. Donc aujourd'hui, vous aurez un exemple tout simple de mes entraînements EMOM, comment ça se passe. Après chaque exercice, je vais prendre au moins 2 minutes de récupération pour enchaîner le second, 2 ou 3 minutes pour enchaîner le second exercice. Voilà. Pour chaque exercice, j'aurai 15 minutes de travail. 15 minutes pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. Ce qui nous fera 45 minutes de travail. Pour le nombre de répétitions, moi j'ai choisi personnellement 15 répétitions pour chaque exercice aussi. Maintenant, vous, c'est pas obligé de faire la même chose. Vous pouvez choisir selon votre niveau. C'est selon mon niveau que j'ai pris 15 répétitions. Quelqu'un d'autre peut prendre 10, 8, 6. Voilà, ça dépend de vous. Là, je crois que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Donc, on peut y aller. Là, je suis prêt, les gars. Je vais lancer le chrono. Il est sur mon ordinateur. Là, je vais le lancer et on va commencer directement avec le premier exercice. 15 répétitions de pompe basique pendant 15 minutes. Allez, c'est parti. A few moments later. Attendez, attendez. Là, je viens de remarquer un truc. Regardez comment je transpire déjà. Je suis à 6 minutes 42 et depuis le début, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton filmer. J'avais oublié d'appuyer sur le putain de bouton pour filmer. Et ça n'a pas filmé. C'est là que je me suis rendu compte, ouais, je ne filmais pas. Regardez, attends, je vais vous montrer le chrono si vous ne me croyez pas. Regardez, 6 minutes 42 et j'ai rien filmé. Non, mais en vrai, je peux pas reprendre depuis le début encore. Non, c'est pas possible. J'ai deux autres exos encore à faire derrière, non. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer. Ah, là, je suis à 6 minutes 42, je vais continuer jusqu'à arriver aux 15 minutes. Voilà. Je peux pas reprendre ça, désolé. Voilà, je suis sûr à 100% que ça a filmé. Pourtant, j'étais carrément sûr que j'avais appuyé sur le bouton filmer. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Je sais vraiment pas pourquoi. Bon, comme j'ai dit, là, je vais reprendre la 6 minutes 42. Je vais continuer jusqu'aux 15 minutes. Je peux pas reprendre à zéro, désolé. Allez. J'imagine si, en fait, j'avais filmé toute ma, j'avais terminé tout, j'avais tout filmé, et en fait, ça ne filmait rien. Donc, genre, j'ai fait tout ça pour rien, j'ai rien filmé en tout. J'imagine. Dieu merci, je sais pas comment, je sais même pas comment ça arrive ce truc-là. Je sais vraiment pas comment ça arrive. Mais bon, voilà. Je suis à 8 minutes. 8 minutes 28, 29, si je vois bien parce que là je vois pas très bien. Je porte des lunettes de base, je sais pas si vous le savez, mais je porte des lunettes, je suis myope. Et là je vois pas très bien ce qui est écrit sur mon écran là, mais on dirait que c'est 8 minutes, ouais. 8 minutes 41, 42. Thank you.
plus que 5 minutes. Je termine avec ça. On va passer au deuxième exercice dans 5 minutes. Bon, je vais répéter un peu ce que je disais dans la première partie que je n'ai pas dit. C'est que là, je suis en train de filmer sans musique. Je peux pas mettre une musique, sinon YouTube va me... Il va pas me laisser monétiser la vidéo, ils vont me restreindre certains trucs encore, voilà. Donc, je m'entraîne sans musique, voilà. C'est parti. Minutes, je suis démonté. Je suis déjà démonté. À réellement chauffer, c'est là maintenant que ça commence à réellement chauffer. Ouh. Plus que 3 minutes. Minutes 40, on a déjà terminé. Juste quelques minutes encore à passer et c'est terminé. Premier exercice terminé. Là, vous voyez comment je suis essoufflé, là, ça démonte de fou. C'est carrément intense. Et les dernières 15 répétitions que je devais faire, je les ai pas enchaînées complètement. Parce que c'était carrément chaud, voilà. Et puis même si vous aussi vous pouvez enchaîner complètement, c'est pas bien grave. Vous lâchez prise, vous reposez quelques secondes, vous enchaînez les autres répétitions. C'est comme ça. C'est pas parce que tu ne peux pas, tu vas lâcher, non. Tu te reposes quelques secondes, tu enchaînes le reste. Là, je vais me reposer environ 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes. Et on va passer au deuxième exercice. Ça sera des pompes inclinées. Pareil, 15 minutes, 15 répétitions. Et cette fois-ci, j'espère filmer au début. Je vais pas me rater encore une fois. Allez. Bon, nous revoilà les gars. Là, j'ai pris environ 2 minutes 30 de récupération. Même si je suis pas mal essoufflé encore, c'est pas un souci. On va
commencer le deuxième exercice, comme j'ai dit, des pompes inclinées. Et on va faire 15 minutes, 15 répétitions, la même chose. Cette fois-ci, j'ai pris ma chaise. Je vais faire sur ma chaise, ouais, je vais pas faire sur le lit parce que ça fait carrément mal avec le bord du lit. Là. Donc j'ai pris une chaise, c'est plus facile pour moi. Donc voilà, c'est parti alors. Là, je crois que j'ai enlevé mes chaussettes parce que ça me fait carrément glisser. Là. J'ai enlevé mes chaussettes. Ouais, et voilà, là, on a commencé. Il nous reste 30 secondes encore de récup. Au tout début, comme je l'ai dit, facile. Vous allez voir après. Regardez seulement. Là, on a un autre souci, c'est que la chaise glisse. Elle glisse carrément, c'est chiant. Chaque fois, je dois essuyer mes mains. Chaque fois, je dois bien replacer mes mains plutôt encore sur la chaise. Ça glisse. Vas-y, il nous reste 13 minutes. Allez. Si je savais que ça allait autant glisser, j'allais prendre ma magnésie. J'allais prendre ma magnésie, mais elle est déjà au dehors. Je peux pas courir encore aller au dehors pour aller la chercher. On va faire avec. On a presque 5 minutes là. Il va nous rester 10 minutes. On a 6 minutes 44. Ça commence à démonter. C'est incroyable. J'arrive même pas à bien parler.
J'ai 20 secondes de récup. J'avais uniquement 20 secondes de récupération. Mais celui-là est plus con. Si on veut voir, celui-là est plus chiant que le premier. Parce que celui-là, à force de remettre ses mains en place, ses mains en place, ça fait chier carrément. Les 8 minutes. Désolé, là je viens d'interrompre l'entraînement parce que il y a un livreur qui vient de m'appeler là. Ça, il est quelle heure? Il est 20h, c'est là maintenant qu'il vient me livrer mon colis. Il vient me livrer mon colis. C'est un truc que j'ai commandé pour la déco. Déjà j'avais ce que j'avais, c'est de ça que je parlais dans la vidéo précédente là où j'avais fait ce qui est. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est en bois. Ils ont gravé le nom de ma chaîne dessus avec le logo YouTube ici. Et en fait, il y a des LED autour. Donc ça s'allume quoi. Voilà. C'est juste pour accrocher entre les deux tableaux. Donc voilà un peu. Dans la prochaine vidéo, pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine, vous verrez ce que ça donne quoi. Voilà. Bon, là, je me suis reposé. Je sais pas, j'ai pris environ 1 minute 30 à aller chercher le colis là. Donc je vais me dépêcher quand même de terminer ces 15 minutes là. Bon, là, on va dire qu'il me reste environ 5 minutes encore d'entraînement. En espérant que cette fois-ci, rien ne m'interrompt. Il n'y aura pas de livreur cette fois, c'est fini. Il y aura mon téléphone. Il est bien cadré, il n'y a pas de problème, je filme. Et j'espère qu'il n'y aura aucun autre problème. Là, je vais pas me plaindre parce que je me suis assez reposé pendant que j'allais chercher le colis là. Donc. Il me reste juste 3 minutes, c'est terminé. Allez, viens m'embrasser une dernière fois et on a terminé avec le deuxième exercice. Ça a été quand même long. Putain, là ça fait 30 minutes d'entraînement, ça a été quand même long.
Et voilà, je viens de terminer le deuxième exercice. Maintenant, il va nous rester encore le dernier exercice pour les triceps. Une isolation des triceps. Des dips plutôt sur un banc, sur une chaise. Voilà, n'importe, moi je vais le faire sur ma chaise encore une fois. 15 répétitions, 15 minutes encore une fois. Là, je vais me reposer 2 minutes, 2 minutes 30 ou 3 minutes et on va reprendre le dernier exercice. Et c'est terminé. Donc, me revoilà les gars, on va passer au dernier exercice. On a terminé l'entraînement. C'est parti. On a encore le même problème, les mains qui glissent. Mais bon, je trouve ça mieux quand même que de le faire là, là. Là, le bois, mon lit il est en bois, ça fait carrément mal aux mains. Donc voilà, je vais quand même rester sur la chaise, même si ça glisse, c'est pas grave. Tellement que mes mains glissent, je sais pas si vous voyez pendant que je fais l'exercice, il y a mes mains qui se déplacent comme ça sur la chaise, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment, vraiment, vraiment énervant. Mais bon. Là, je suis à 4 minutes. Je vais continuer. J'ai déjà lancé le chrono, sinon. Je sais pas, j'ai trouvé un truc à mettre, mais bon. En plus que ça glisse, ça met énormément de pression au niveau des avant-bras là. Ça met vraiment une énorme pression. Là on a 6 minutes.
Je pense pas continuer comme ça avec les poignets là. On a 8 minutes, 9 minutes. Je vais essayer de forcer, sinon mes poignets sont carrément morts. Je peux même pas rester stable. Dès que je mets mon bras, voilà, ça commence à glisser, 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 ça tord mes poignets. Bon là je crois que je vais arrêter ça, non, parce que ça sert à rien de continuer là. Ça sert à rien de continuer. J'ai dû arrêter les gars, j'ai dû arrêter à 10 minutes parce que franchement la douleur au niveau de mes poignets c'était vraiment trop. Et en plus moi j'ai un problème au niveau de mon poignet. Quand je suis dans cette prise là, surtout dans cette position là, mes poignets me font extrêmement mal. Moi je peux même pas me mettre en position supination pour faire des tractions supination parce que comme ça me fait extrêmement mal. Donc voilà, j'ai dû arrêter à 10 minutes. J'ai arrêté à 10 minutes. Ne me dites pas non mais Cass, tu veux continuer, ça fait quoi, il restait 5 minutes. Non, parce que si je me suis cassé le poignet, je pourrais plus m'entraîner pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Je sais pas, pendant 2 mois, 3 mois, je sais pas. Je sais même pas pendant combien, peut-être un an, j'en sais rien. Bah, à cause de quoi? Parce que quoi? Parce que no pain, no gain, non. La réalité, c'est pas ça. Hein. La réalité, c'est pas ça. Si vous faites un exercice, vous voyez que ça vous fait mal, arrêtez-le directement. Arrêtez-le directement, il y a énormément d'exercices. Il y a plutôt énormément de variations sur les exercices. Voilà. Ce n'est pas pour moi uniquement que je le dis, je le dis pour vous aussi les gars. Donc. Bref, mais dans tous les cas, j'ai, on va dire, terminé l'entraînement. Même si à chaque exercice, j'ai été interrompu la première fois. J'ai pas pu filmer premièrement, la deuxième fois, mon livreur est venu me livrer. Et en parlant de ça, voilà, je l'ai placé. Voici ça ici. On ne voit pas très très bien parce que là, je suis un peu loin. Mais quand je ferai d'autres vidéos, je saurai... J'aurais mieux cadré le plan, vous allez bien voir ça. Voilà. Maintenant, la troisième chose qui m'a bloqué sur le troisième exercice, c'est cette chaise là. C'est mes poignets aussi, là, les poignets et les chaises. Bon, dans tous les cas, j'espère quand même que cet entraînement vous a plu. Si vous avez envie d'un entraînement pectoraux à la maison sans matériel dans sa chambre, voici un exemple ici pour les pecs, pour les épaules, les triceps. Si vous voulez beaucoup plus de vidéos de ce genre, tout est dans votre main. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum que la vidéo explose. Si la vidéo n'a pas explosé, je m'en fous. Je refais plus ça. Là, je reviens du boulot, j'ai même pas encore mangé. Je suis venu m'entraîner et j'ai filmé pour vous. Donc, en retour, quand même. Quand même. Sur ce, moi, je pense que j'ai fait mon taf. Regardez mon t-shirt, il est complètement mouillé là. Il est complètement mouillé. Voilà. Mais avant de vous laisser, je rappelle encore une fois, je fais des programmes personnalisés, des programmes uniquement au poids du corps, au calisthenics, des coachings en ligne. Si vous avez envie de vous transformer physiquement, de changer physiquement, devenir la meilleure version de vous-même uniquement en vous entraînant avec des pompes dans votre chambre, comme moi, comme pas mal de personnes qui l'ont fait, c'est possible. Donc, vous me contactez sur mes réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux sont en description de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Check!